金曜の司会はナンポルトキー司会の五十嵐由美子です。漫画家です。キャンディーキャンディー。今日のラインナップはアニメ漫画リリースルポルタージュ忘れられたゲームの歴史。まず最初はノンライフニュースからお送りします。どうぞ。Le 17 décembre sortira le premier patch majeur de Final Fantasy XIV. Square Enix semble avoir tout fait pour convaincre les joueurs avec du contenu à foison. Un nouveau donjon, le premier raid à 24 joueurs, des versions extrêmes des combats contre les primordiaux, l'ajout du PVP, mais aussi des améliorations de qualité de vie comme le salon de coiffure pour ses personnages ou bien encore l'arrivée des logements personnalisés. Pour l'occasion, le jeu change carrément de nom. De A Realm Reborn, il devient A Realm Awoken. Pour une première mise à jour, c'est impressionnant. On attend de voir ce que ça donnera en pratique. Alors, on a une bonne et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle ? La mauvaise ! Ok, alors la mauvaise nouvelle, c'est que le Run and Gun indé Super Time Force ne sortira pas cette année, mais tout début 2014. Et la bonne, c'est que le jeu gagne dans la foulée une plateforme supplémentaire. Il sortira donc en téléchargement sur Xbox 360 comme prévu initialement, mais aussi sur Xbox One. Tout comme le jeu d'aventure Below d'ailleurs, dont on vient de voir quelques images. Il est également développé par Capybara Games pour la nouvelle console Microsoft. Pour rappel, Super Time Force est un jeu au style visuel rétro, intégrant une mécanique de jeu qui permet de remonter dans le temps pour reprendre sa partie avec un tout nouveau perso. Tandis que celui précédemment joué continuera à shooter à nos côtés. On peut ainsi jouer avec une armée de soi-même, un titre que l'on attend avec férocité à nos lives. Le 10 décembre dernier, ceux qui ont une 3DS n'auront pas manqué de remarquer que leur console s'est mise à jour. Celle-ci permettait le déploiement du Miiverse sur leur console portable. Les joueurs peuvent maintenant profiter du petit réseau social 100% Nintendo, à peu près où ils veulent. D'ailleurs, pour rappel, celui-ci est accessible via son navigateur également. Il sera aussi possible de fusionner son compte Nintendo Network Wii U et 3DS. Ainsi, il n'y aura plus qu'un seul portefeuille virtuel à utiliser pour les eShop des deux consoles. Il faut rappeler deux points importants à ce niveau qui ne sont pas forcément évidents au premier abord. Tout d'abord, l'identifiant Nintendo Network n'est pas la même chose que le compte Club Nintendo qui permet uniquement d'empocher des étoiles dans l'espoir utopique de gagner un jour des goodies. Ensuite, un identifiant Nintendo Network est lié à une console et c'est celui-ci qui permet d'identifier vos achats de jeux dématérialisés pour pouvoir les télécharger à nouveau au besoin. Des infos dont il faut prendre soin en somme si on veut éviter quelques déconvenues sur les consoles Nintendo. アニメ漫画リリースのコーナーです。今日私は、一週間前に書き終わったジョセフィーヌの教会にお参りに行って、バラの花を添えてきました。素晴らしく素敵な教会でした。ついでに、ナポレオンのお墓も見てきました。今週のリリース情報、どうぞ。Depuis plusieurs années, les films d'animation de DreamWorks soufflent le chaud et le froid. Généralement, le studio américain use et abuse de sa recette qui consiste à mettre en avant des comédiens stars et à caricaturer sans trop d'imagination le style de vie américain. Cette méthode a engendré Shrek et ses suites de plus en plus insipides. Oh, faut vraiment que vous voyez ça, regardez! Il aura fallu attendre 2010 et la sortie au cinéma de Dragon pour voir enfin un vrai film d'aventure épique et touchant signé DreamWorks. Les réalisateurs Dean DeBlois et Chris Sanders étaient aux commandes. Et c'est justement ce dernier que l'on retrouve à la tête du film, les Croods, avec Kirk D'Amico à ses côtés. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre, ton facochère ? Les Croods sont une famille d'hommes des cavernes, vivant la majeure partie du temps dans leur grotte. Leur devise consiste à se méfier de tout afin d'avoir une chance de survivre. Lorsque Hip, l'adolescente curieuse de la famille, fait la connaissance de Guy, un explorateur solitaire un peu plus évolué, elle va tenter de convaincre sa famille de quitter la caverne. Il semblerait en effet qu'un grand cataclysme soit imminent. Mais quand on est une famille de Cro-Magnon n'ayant que peu connu le monde extérieur, il est difficile de s'habituer à la nouveauté.
Un, deux, trois, quatre, cinq. Six. Cavies! Cavies? Cavemen, stand back. They're practically animals. You see their bony, sloping foreheads? Yeah. The huge, primitive teeth. Yeah. Oh, the excessive body hair. Oh, that one's got a tail. Yeah. All right, close your eyes. I'm going to have to take their lives. No! It won't help. They're my family. What? Succès surprise au box-office américain en 2013, Les Croods fait partie du haut du panier des films DreamWorks. Comédie tout public oblige, on n'échappe pas à quelques gags un peu faciles, basés sur les anachronismes. Make it! You know, you're a lot like your daughter. Oh, great. Now he's broken. Mais le long métrage est bien plus centré sur son scénario et sur les sentiments de ses personnages que sur du simple humour potache. Marque de qualité, l'histoire a été écrite à la base par les réalisateurs eux-mêmes et par John Cleese, un ancien Monty Python. Eve, don't touch him. Goodness knows where he's been. Dad, Sandy's hurting fire. Sandy. Tout comme dans Dragon, on trouve dans ce film une quantité importante de grosses bébêtes préhistoriques, effrayantes au premier abord, mais qui vont progressivement se laisser apprivoiser. Une marque de fabrique des films de Chris Sanders, peut-être. Sur la version DVD fournie pour cette critique, l'image nous a semblé bonne. Évidemment, celle-ci est limitée en définition et en qualité de compression par le codec MPEG-2. Côté son, VO comme VF sont proposés en Dolby Digital 5.1. On y retrouve, entre autres, les voix de Nicolas Cage et Emma Stone en VO et celles de Kev Adams en VF. Les deux doublages sont d'excellente qualité, même si, comme souvent, les jeux de mots passent bien mieux en anglais. Les bonus sur cette édition DVD sont plutôt limités. On y trouve la bande-annonce, 4 scènes coupées ou raccourcies présentées par les réalisateurs, et le court-métrage Le journal de bord de Brassé, un petit paresseux accompagnant Guy dans ses aventures. Ce court-métrage ressemble toutefois plus à un diaporama de dessins commentés qu'à une vraie séquence animée. We're the Croods! And you are... Guy? Hi, Guy! En conclusion, Les Croods se révèle être une bonne surprise. Et même s'il n'est pas aussi palpitant que Dragon, il serait dommage de passer à côté de cet excellent divertissement familial. Wow. It looks like magic. It smells like food. En juin dernier, Issan Manga proposait ses premiers titres. Le petit éditeur français s'est spécialisé sur une collection vintage à prix élevé. La qualité est alors une priorité pour lui. Dans ce début de catalogue figurait le premier volume de Kamen Rider, le titre classique d'Ishinomori Shotaro. À la fin du volume, on laissait le motard à tête de fourmi en bien mauvaise posture, entouré de 13 autres riders à la solde de l'organisation Shocker. Ce second volume reprend et conclut les aventures du motard solitaire. C'est toujours aussi old school, sombre de temps en temps et même surprenant à l'occasion. On peut y voir des planches dans un style se rapprochant parfois de Tezuka et régulièrement dans un ton plus adulte. Quelques figures de style très reconnaissables de l'auteur sont présentes, comme la décomposition d'un mouvement sur une même planche. Cela a beau dater des années 70, on plonge avec plaisir dans le patrimoine un peu âgé du manga. Les aventures de Kamen Rider se dégustent avec bonheur encore aujourd'hui. Au Japon également, où la série va être rééditée dans une édition de luxe à la fin de l'année chez l'éditeur Fukan.com. Même si des séries comme Kamen Rider Gaim, diffusées actuellement sur les petits écrans japonais depuis l'été 2013, n'ont plus grand-chose à voir avec la série du mangaka, le spectre d'Ishinomori continue à planer sur cette figure toujours très populaire. Le prix reste très élevé, aux alentours d'une trentaine d'euros, mais c'est un investissement nécessaire pour une édition très soignée. Ce qui la réserve donc à un public d'amateurs éclairés souhaitant acheter un beau livre pour une série d'époque. Le potage. フランス一番大好きなことは何だか分かります?私はビーズがとても好きです。もう会う人ごとにビーズをやりたいと思っています。ではご覧ください。どうぞ。
Ayant sévi sur la toute première PlayStation il y a de ça plusieurs années, la série des Chevaliers de Baphomet, ou Broken Sword en VO, a réussi à séduire des millions de joueurs sur des plateformes, les consoles en l'occurrence, qui ne se prêtaient pas vraiment au genre point and click. Aujourd'hui, la série nous revient à travers ce cinquième épisode, baptisé La Malédiction du Serpent, qui met une nouvelle fois sur le devant de la scène les personnages de George Stobart et Nicole Collard. Dans cette aventure, il sera question de meurtre, d'enquête et de ces évangiles gnostiques exclus du Nouveau Testament. Charles Cécile, le créateur de la série, nous parle d'ailleurs des éléments qui l'ont inspiré pour ce nouvel épisode. I love the idea of the attack on Béziers and the fact that the crusade, the Albigensian crusade, was organized in the 13th century, and all of that was very exciting. And then independently of that, I read about the discovery in 1945 of an urn, a farmer, a shepherd in Egypt discovered an urn, and he thought there might be treasure in it. He was digging for fertilizer, for soft soil to use as fertilizer. And he thought there might be treasure. And he was very disappointed because he broke it and it was full of manuscripts. And he took the manuscripts home, and the story goes, and this is a true story, but it said that his mother needed some fire. So she used some of the manuscripts for fire, and they used some for the animals. But there were still so many that they had plenty. And then a friend of his suggested they might have some value. So they took them to Cairo and sold them, and you know, everybody was happy. But it turns out that these were actually the Gnostic Gospels. They were Gospels that were considered heretical in the 3rd and 4th century. And the decree went out, they had to be destroyed. And so effective was their destruction that a lot of these things nobody even knew existed. They never knew they'd even been written. So there was the Gospel of Mary Magdalene, the Gospel of Thomas, the Gospel of Judas Iscariot, but from a totally different perspective. So it was quite clear that even in Jesus' time, there were two different factions, the Gnostics on one side and what was the Orthodox on the other. But the one that really captured my imagination was the Testimony of Truth, which tells the story of the Garden of Eden, but from the serpent's perspective. So the serpent is the good one. He brings knowledge to mankind and frees man from the jealous God that created him, which is like dynamite because it's so different to what we're taught. But all you need to scratch under the surface. The bringer of light in Latin is Lux Ferae, which is Lucifer. So, you know, even in this day and age, all of these connections are still resonating. In England, when we go to church, which I don't do very often, but when I go to church, you recite the Nicene Creed. And that says, I believe in one God, I believe in the Father, the Son, and the Holy Ghost. And what you realize is that even 2,000 years later, everybody is saying, I don't believe in Gnosticism. I don't believe all of this stuff. I only believe the Orthodox. So powerful was it. And I thought this was wonderful. You've got the Albigensian Crusade, where the Gnostics were effectively destroyed, and the Dominicans were created at that time specifically to root out any of the last heretics. And you've got that, and then you've got going all the way back to biblical times, and you know, why were the church so scared? Why were they so afraid? Why did they hate the Cathars, the Gnostics, so much? And I thought there were some really nice, quite profound questions that hopefully I thought would work well in a new Broken Sword game. Charles Cécile est manifestement un passionné d'histoire et possède également cet attachement particulier à la France qui lui a très clairement servi dans la conception de ses jeux. Nico, of course, lives in Paris, and George loves Paris. So our games tend to start in Paris. And that's very much a reflection of the fact that I have very fond memories. Back in the early 70s, it might even be the late 60s. I was born in 1962. I used to come with my mother and we'd stay in Paris, and it was just extraordinary because in those days, the food in England was terrible. Now, some French say that it's still terrible, but that's not true. Our food's actually now very good. But it was just terrible. And we had no restaurants. So to come to this city with the most extraordinary restaurants, and people smoked gitan and gauloise, smells that we never had in England, and the women looked so glamorous, and I mean, I get my revenge, of course, because the waiters, even the waiters in Paris, oozed sexuality. So we have right at the very beginning of this new Broken Sword, we have a waiter that is every bit of that. He's Serge Gainsbourg. Down to, you know, down to the
philosophical talk, the sexuality. So all of these are sort of rather strange figments of my memories from the very late 60s and early 70s. So it seems natural, and I love Paris, and I love speaking French, and I love the French culture. So it's been translated, and that gives me the great opportunity to come to Paris and do more research and talk to fine people like you. À l'instar d'autres licences, la série des Chevaliers de Baphomet a revu le jour grâce à Kickstarter et aux milliers de backers enthousiastes qui ont soutenu le projet. L'occasion pour Charles de s'étendre sur sa propre expérience du crowdfunding et sur sa vision du marché d'une manière générale. When we wrote the first Broken Sword game in 1996, adventures were very popular. And then they became less and less popular, but not because people didn't want to play them, but because publishers didn't want to commission them and retailers didn't want to stock them. And that was because PlayStation was so successful. And everybody thought that if PlayStation is successful, every game should be visceral, it should be 3D, it should be in this particular genre. So the games became more and more expensive and more focused. And that totally killed the indie scene. And adventure games are definitely a niche. They're a large niche, but they are a niche. They're off the mainstream. And so the common view from publishers and retailers was that the adventure was dead. And that was because there was, I don't know, 200, 300, 400 slots at retail, and they were very much the obvious games. The really big change came, of course, when digital distribution became feasible, and particularly the iPhone. And now, of course, there are close to a million apps available. So that is perfect for, and that's perfect, I think it's much better for the market, because you have the AAA games that cost $100 million, and they're great, and we love them, the Grand Theft Autos, the Call of Duties. But underneath that, you have a very thriving and healthy indie scene. And all the mid-tier games, the type of games that THQ used to publish, have gone away. Because actually, people either want the top stuff or they want the indie stuff. And as an indie developer, which Revolution clearly is, we're in this great position that the hardcore gamers will play more casual games. And obviously our more casual audience will play our games, but the more casual audience won't play the AAA games. So we have a potentially massive market that's growing and growing. And through the iPhone in particular, we have reached many, many millions of people that have only started playing video games in the last few years, and some of them because of Broken Sword. So it's a totally different system. But when we started republishing Broken Sword on iPhone, and I'm very proud of the fact that it still has a Metacritic average score of 91%, much higher than Monkey Island, our big competitor. And the game was very successful. We came from a very weak financial position to actually being able to write a prototype for the game. And then we reached the point where we were going to run some money. And historically, that would be the point where we went to a publisher. But instead, we went to Kickstarter. We had the most extraordinary response, 15,000 people. And, you know, clearly the money was very important. But also now we have a relationship with 15,000 Broken Sword fans who will evangelize, and they're incredibly generous, incredibly passionate. And it's an absolute pleasure to be able to communicate directly with these people, which of course we couldn't have done if we were going through publishers, distributors and retailers. Cette malédiction du serpent semble disposer d'une histoire complexe et intéressante et propose en tout cas quelque chose de vraiment agréable d'un point de vue graphique. On remercie Charles Cécile pour ce quality time passé en sa compagnie et sa sympathie d'une manière générale. En revanche, on attendra évidemment de passer du temps sur ce nouveau Chevalier de Baphomet pour savoir ce qu'il vaut vraiment, et on vous invite à jeter un œil à la critique diffusée dans un 101% à venir.新しい作品を紹介したいと思います。これは11月末に出版された「パロスの剣」というお話で、素敵なオージ様とお姫様の物語になっています。絶対見てね。それからあとアウジーで私の複製原画が作られたんですけれど、本物のより本物らしく美しいので、ぜひ見に来てください。それでは本日の忘れられたゲームの歴史ご覧ください。
Mes chers enfants, je vous présente un jeu aujourd'hui révolutionnaire. Un jeu dont je suis tombé littéralement amoureux depuis qu'un sympathisant du Collège No Life m'en a parlé, Sound Voyager. D'ailleurs, mettez vos casques en stéréo si vous en avez, car vous risquez d'en avoir besoin aujourd'hui. Mais qui a déjà entendu parler de Sound Voyager sur Game Boy Advance parmi vous? Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas vraiment, hein, car Sound Voyager n'est jamais sorti hors des frontières japonaises et son concept était peut-être un peu trop avant-gardiste pour être populaire. Pour preuve, si je vous disais que dans ce titre, vous alliez devoir jouer les yeux fermés et essayer de courir après une poule pour l'attraper, que penseriez-vous? Eh non, je ne suis pas fou, et vous allez voir, ou plutôt entendre, qu'avec Sound Voyager, Nintendo tenait un concept vraiment incroyable. Avant toute chose, précisons que Sound Voyager est sorti en juillet 2006 sur GBA, dans le cadre d'une série de 7 jeux expérimentaux appelés Beat Generations. L'intention de Nintendo avec cette collection de cartouches conceptuelles à petit prix était de revenir aux véritables origines du vidéoludisme, c'est-à-dire que les créateurs devaient se focaliser sur une idée forte de gameplay et l'exploiter au maximum en ne se souciant absolument pas de l'habillage graphique. Bref, si vous cherchez des graphismes impressionnants sur votre Game Boy Advance, passez votre chemin. Surtout que dans Sound Voyager, imaginé par le game designer Eto Keita, le concept repose uniquement sur le son. Il vous sera très fortement conseillé de jouer les yeux fermés avec un casque sur les oreilles. Et là enfin, bienvenue dans une expérience ludique et sonore hors du commun. Wii U, je t'écoute ? Non, Sound Voyager n'est absolument pas un jeu de rythme musical. Comment dire, c'est plutôt quelque chose, enfin c'est très différent, c'est une sorte d'invitation à un voyage sonore dans l'espace. Le concept de Sound Voyager est très simple à expliquer, mais difficile à appréhender tant qu'on ne l'a pas testé au moins une fois. En fait, vous devrez essentiellement essayer d'attraper des sons. Attraper des sons, oui, dit comme ça, ça peut paraître étrange. Mais dans la pratique, c'est tout à fait possible. Par exemple, lorsque vous lancez une partie de Soundcatcher, le premier mini-jeu, vous allez entendre un son ou un rythme au loin dans vos oreilles. Ce bruit est au départ éloigné de vous. C'est-à-dire que vous allez devoir le chercher, soit à votre droite, soit à votre gauche, en fonction de ce que vous percevez dans votre casque. Je vous assure, avec les yeux fermés, vous aurez l'impression de planer dans l'espace en pleine chasse aux sons perdus. Et quand vous passerez vraiment tout près de la source bruyante, vous entendrez un signal vous indiquant que vous l'avez attrapé. Et à chaque son capturé, la mélodie, la rythmique, les effets vont petit à petit s'étoffer jusqu'à créer une composition complète de style New Age Fusion du plus bel effet. Écoutez, c'est très étonnant. Oui, PS4, je t'écoute. Effectivement, tu as vu des repères visuels sur l'écran de la GBA avec lequel il est facile de tricher pour attraper les sons. Mais rassure-toi, ces aides ne sont là que pour aider le joueur à s'habituer aux sensations. Aujourd'hui, nous vous montrons essentiellement des séquences avec ces signaux. Mais sachez qu'après quelques secondes, ces repères graphiques disparaissent totalement pour que votre Wii prenne définitivement le relais. Voilà pourquoi il est si important de jouer les yeux fermés. Vous devrez en effet être attentif à la moindre variation sonore pour vous repérer dans le noir abyssal. En dépit de son minimalisme visuel, Sound Voyager est d'une très grande richesse. Pas moins de 33 niveaux répartis en plusieurs catégories vont régaler vos oreilles. Et parmi les mini-jeux les plus sympas, notons les niveaux Sound Drive, qui vous demanderont, comme le titre l'indique, de conduire les yeux fermés. Non, non, n'ayez pas peur mes enfants, ce n'est que du jeu vidéo. Imaginez-vous plutôt en train de rouler les yeux bandés sur une piste à 5 voies. Dans votre casque bien posé sur vos oreilles, vous allez entendre des bruits de troupeaux ou de klaxons. Il vous faudra être très attentif pour estimer si les vachettes ou les véhicules qui arrivent en contresens sont sur la même voie que vous. Si tel est le cas, vous devrez rapidement virer à droite ou à gauche pour éviter toute collision fatale. Esquiver des obstacles les yeux fermés devient un véritable challenge, mais la qualité du sound design de ce titre permet cet exploit et procure d'intenses sensations. Mieux encore, dans les niveaux supérieurs de Sound Drive, vous pourrez débloquer Sound Chase, soit la chasse au son en français. Dans cette partie-là, vous voyez foncer un bolide avec une sirène et vous allez devoir le rejoindre tout en faisant attention aux voitures à éviter. Autrement dit, une course-poursuite à contresens et en aveugle. Un son qu'il faudra à tout prix éviter et un son qu'il faudra au contraire suivre à la trace. La gymnastique auditive est incroyable et même si ça paraît compliqué, on se surprend à réussir assez rapidement. Vous l'avez compris mes enfants, Sound Voyager est une expérience inédite dans le monde du jeu vidéo. Oui ? Ah, vous voulez en savoir plus ? Ah oui, bien sûr, ce jeu propose encore d'autres variantes très originales. Par exemple, il y a Sound Cannon, alias le canon sonore. Dans votre casque, vous allez entendre des bruits inquiétants éloignés, mais qui se rapprochent petit à petit. Ils se trouvent à votre droite ou à votre gauche. Ce sont des ennemis.
Vous devrez alors pivoter jusqu'à ce que vous vous retrouviez face à eux. Là, avec le bouton A, vous pourrez leur tirer dessus et les éliminer. Sinon, il y a Soundcock, un autre mini-jeu dans lequel vous allez devoir attraper une ou plusieurs poules en vous aidant uniquement du son de leur caquettement. Encore une fois, comme il est très difficile aujourd'hui de bien vous expliquer un tel concept, nous avons laissé le repère visuel. Mais après quelques secondes, vous ne verrez plus la poule. Autant vous dire que c'est chaud, mais tout à fait jouable. Enfin bref, des idées comme ça, il y en a d'autres. Comme par exemple le mini-jeu Sound Slalom, dans lequel vous allez dévaler une piste de ski les yeux fermés, en essayant de passer correctement entre les portes. Le plus fou là-dedans, c'est qu'en dépit d'un concept toujours très proche, l'expérience et les sensations sont toujours très différentes. Vita, une remarque ? Parfaitement. Sound Voyager est une expérience fabuleuse aussi pour les personnes non-voyantes. Vous vous souvenez peut-être de Kaze no Regret sur Sega Saturn dont nous avons déjà parlé il y a quelques mois. Eh bien, Sound Voyager va encore plus loin, parce que là, vous êtes 100% acteur et vous jouez uniquement avec votre Wii. Enfin, votre Wii, hein, votre audition, hein, parce que ça fait déjà longtemps qu'on joue plus avec la Wii, ni avec la Wii U d'ailleurs. Wii U ? Ouf, t'avais pas entendu. Bah en fait, une partie des jeux de la série Beat Generations a été mise à disposition des joueurs sur la plateforme de téléchargement Nintendo eShop il y a quelques temps, sous les noms Art Style. Mais malheureusement, Sound Voyager ne fait pas partie du lot. Voilà mes enfants, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que désormais, Sound Voyager trouvera sa place parmi les jeux les plus marquants et innovants de la Play Store. Vous pouvez filer en récré. Par contre, en y allant, gardez les yeux... Gardez les yeux ouverts, on n'est pas dans un jeu vidéo ici... になってしまいました、この絵を見たい方たちは13区の漫画カフェで1月4日までやっています。ぜひ来てください。じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。かっこつけた気変